qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Nous allons prendre la Bible. Let us take our Bibles. Nous lisons dans ce verset que le Seigneur nous a donné, Apocalypse chapitre 19. We'll read in Revelation 19. Soyez bénis pour tous qui êtes connectés en ligne, à la radio, be blessed, all of à la télévision, Pactor TV, nous bénissons Pactor TV. On TV, Pactor TV, we bless nous you. Bénissons tous nos bien-aimés qui sont connectés dans le monde entier sur Facebook. We bless all our beloved worldwide. Nous sommes là pour préparer l'église du Seigneur pour le retour de Messie. We're here to prepare the church of the Lord for the Messiah. C'est temps que notre Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions préparer son église en enlèvement. Given to us to be prepared for rapture. Au festin de l'agneau de Dieu. To the feast of the Lamb of God. Amen, amen. Se préparer. For the time of the wedding of the Lamb has come and the bride is ready. Il a été donné de se revêtir de fêle. She has been given clean, shining linen to wear. Etc. Et le verset 9 me dit. Écrit. Says, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Happy are those who have been invited to the wedding feast of the Lamb. Heureux ceux qui sont appelés au festin. Happy are those who have been invited to the feast. Des noces de l'agneau. Of the wedding of the Lamb. Nous lisons, nous ajoutons dans l'Ancien Testament. We'll add in the Old Testament. Dans le livre du prophète Zacharie. In the book of prophet Zachariah. Prophète Zacharie dans l'Ancien Testament. Prophet Zachariah in the Old Testament. Zacharie dont le nom signifie l'Éternel se souvient. Zachariah means the Lord remembers. Dit à ton voisin, le Seigneur s'est souvenu de moi aujourd'hui. The Lord said to your neighbor, the Lord remembers. Il m'a envoyé une invitation. He sent me an invitation. Afin que je sois dans son, dans ses noces. So that I'll be at his feast. Nous lisons dans Zacharie chapitre 3. We will read in Zacharie chapter 3. Chapitre 3 du livre de Zacharie. Chapter 3 of the book of Zacharie. Je vais lire à partir du premier verset. I'll read from verse 1. Je vais lire à partir du premier verset. I'll read from verse 1. Et nous lisons ceci. We will read the following. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3. Il est écrit, il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Est-ce que vous lisez ce texte ensemble, si vous permettez? Amen. Nous allons lire ensemble 3, 2, 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel est le réprimant de Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, ils sont arrachés au feu. Oh, Josué était couvert de vêtements sacs et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sacs. Puis il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais la vie de fête. Je dis, commets-tu ma tête, si sa tête est turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête, et il mit le vêtement. L'ange de l'Éternel était là. L'Éternel dit, l'ange de l'Éternel dit à Jésus et sa déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu géreras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont d'ici. On peut s'arrêter là. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire le verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, foi, je t'enlève ton iniquité et je te revais la vie de fête. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dites avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Seigneur m'enlève. Le Seigneur m'enlève. Les habits
sales. Les habits sales. Les habits d'iniquité. Les habits d'iniquité. Les habits de honte. Les habits de honte. Les habits de malheur. Les habits de malheur. Les habits de souffrance. Les habits de souffrance. Et il va répéter. Et il m'a répété. Les habits de fête. Les habits de fête. Et les habits de gloire. Et les habits de gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci pour vous asseoir. Thank you. You may be seated. Soyez tous bénis. Be all blessed. De vous être déplacés depuis vos nations, vos pays, vos maisons pour être là. That you came from your countries, your homes to be here. Soyez bénis, pasteur. Be blessed, pastors. Soyez bénis, maman pasteur, maman Tabitha, maman Mianda, soyez bénis. Soyez bénis, serviteur de Dieu, servante de Dieu qui est là. Maman Marie, soyez bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Vous êtes bénis de très loin. You came from far away. Depuis le Canada, l'Amérique du Nord. From Canada, North America. Depuis la Scandinavie. From Scandinavia. La Grande-Bretagne. The Britain. Et d'autres nations des continents européens. And other nations of Europe. De l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre. De la France, France, de la Belgique, Belgium, soyez bénis. Be vous qui êtes là de la Norvège, Pays-Bas, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. From South Africa, soyez bénis, maman Karen, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis par ton TV et tous ceux qui sont connectés maintenant. Partout où vous êtes, nous vous invitons à participer à la fête aujourd'hui. Une grande fête, une grande célébration avec le Seigneur. Et nous allons prier tout à l'heure. Je crois à ce Dieu qui ne donne la main pas pour de votre Dieu. Believe that God, whose hand is not too short, la main pour toucher. Lui, il n'est pas limité par le continent. Il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité par le temps. Il est le Dieu qui remplit le ciel et la terre. Et je crois qu'il peut te toucher là où tu es. Et je crois qu'il va toucher quelqu'un. Il n'a pas besoin de mettre des autres pour toucher. Il n'a pas besoin de mettre quelqu'un pour toucher. Ah, il est Dieu, il est le Tout-Puissant, et je crois dans sa toute-puissance. Est-ce que Dieu te bénira, amen? Dieu te bénira, amen? Dieu te bénira, amen? Dieu te bénira, gloire au Seigneur! Dieu te bénira, gloire au Seigneur! Pour le vivant! Pour le vivant! Pour le vivant! Il est ressuscité! Jésus, il est ressuscité! Le projet dans Israël. Chaque fois, je visite le tombeau où le Seigneur Jésus a été placé. Je vérifie s'il y avait peut-être des os qui restent là. L'homme est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus sur la croix. Et il est vivant. Il est vivant. Il est réel. Il est vivant. Et il est présent. Il vit dans toute l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dites à ton voisin, Dieu te pénétrera. Dieu te pénétrera. Parce que le vivant est ici. Amen, amen. Je demande à tout le monde qui a l'excellent d'entrer à l'intérieur. Parce que le Seigneur est là. Il y a des grandes choses qui viennent qui sont la présence de maintenant. Amen, amen. Bien, mes frères et sœurs. Nous allons écouter la parole de Dieu. Happy, sont ceux-là those qui sont invités à participer aux noces de l'agneau. Et même toi qui étais déplacé, finis l'année à Amsterdam. Parce que nous avons jeûné pendant 21 jours pour prier pour la fin de cette année et préparer l'an 2018.
seen. Nous n'attendons pas le trompette de sang. We're not waiting the 31st. Ceux qui nous seront le trompette de sang. Those will be there the 31st. Pour célébrer. Just to celebrate. Ça sera que la célébration. Parce que nous avons déjà prié. Because we et nous croyons que nos vies sont protégées. Si Jésus ne revient pas bientôt. Jesus, si je ne revenais pas avant le 31, nous savons une chose. Que nous sortons en 2018. Que le diable veuille ou pas. Que le sorcier ne veuille ou pas. Nous sortons en 2018. Je suis le pour aujourd'hui. Je suis vivant. Le leur bishop là, c'est le bishop là. Ils ont réussi à me faire dormir deux jours sans prier. They managed to make me sleep 2 days without praying. Mais maintenant, but now, il est vivant. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Il est mort. Et il est présent. Je le crois, je le sens. Je le crois, je le sens. Personne ne rentrera pas comme il était venu. Amen, amen. Amen, amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Thank you, amen. Heureux. Blessed. Ceux qui sont invités. Those who are invited. En notre dernier. Et toi et moi qui aujourd'hui. Nous sommes là pour fêter. We are here to celebrate. Frères et sœurs. Brothers and sisters. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. C'est pour que tu puisses participer à une fête. For you to partake in a feast. Il faut que l'organisateur te connaisse. The host must know you. Que l'autre te connaisse. The host must know you. Qui peut souhaiter assister à une fête. You might want to go to the feast. Mais si l'organisateur ne te connaît pas. If the host doesn't know you. Tu pourras être dérangé par la musique. You'll be disturbed by the music. Ça nous dérange avec la musique. Those people are disturbing with the parfois music. Parfois tu peux le dire par jalousie. Sometimes you might say it by jealousy. Je me rappelle encore quand on était en Afrique. I remember back in Africa. Et il y avait des gens où il y avait toujours la musique et la fête. Places they're always partying. Et parfois ils fêtaient toute la nuit. Sometimes they'll party the whole night. Entre les dîners de rêve pendant la nuit. And then until midnight. Parfois on disait parce qu'on était dérangé. Sometimes we were disturbed. Parfois c'était aussi parce qu'on était jaloux. Sometimes because we were jealous. Ce sont les Mobutistes, en cette année c'était le Mobutiste qui régnait. Mobutiste time. Ma mouvance, on a ma mouvance, but if you are not invited, there's une bonne fête. You invited to a good. Donc, il faut que l'autre te connaisse. The host must know you. Est-ce que Jésus te connaît? Does Jesus si know Jésus you? Te connaît? If Jesus si Jésus you? Te connaît? If Jesus tu as déjà fait un grand pas. Then you've made a good. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Demande à ton voisin est-ce que Jésus te connaît? Ask your neighbor if Jesus knows him. Demande à quelqu'un. Ask someone. Papa, maman, demande-moi, Jesus know you? Est-ce que toi, Jésus, te connais? Does Jesus know you? Moi, il me connaît. He knows amen, amen. Ah oui, je ne sais pas ce qu'il t'a dit de toi. I don't know what you mais say moi, il me you, connaît. But he knows me. Jésus te connaît. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce qu'il me connaît. Because he knows parce qu'il sait que je l'aime. Parce qu'il sait que je l'apprécie. Parce qu'il sait que j'aime sa compagnie. Il m'a invité. Amen, amen. Moi, je suis un invité de l'air. Demande à ton voisin. Est-ce que Jésus t'a invité ici? Oh, je suis venu parce que c'est Maman Chimène qui m'a invité. Oh, I came because Maman Chimène invited me. Amen, amen. Amen. Oui, est-ce qu'on peut venir parce que quelqu'un t'a invité? Can you come because someone? Mais moi, je suis là parce que Jésus m'a invité. Dis à ton voisin, moi, je suis invité par Jésus. Je suis invité par Jésus. Même là, à la radio, à la télévision, tu es un invité du Seigneur. Alléluia. Et vous savez quand Jésus t'invite. You know when Jesus invites you. Non, il t'invite pas. Vous savez qu'on peut t'inviter à une fête, on ne tient pas compte de toi.
Oh, you might be invited and they don't notice you. Ah, un Africain. Oh, just an African. Ah, c'est n'importe quoi. Oh, it's nothing. Mais voyez, j'étais en Afrique il n'y a pas longtemps. See, I was in Africa not long quand ago. Quand quelqu'un vient de l'Europe. When someone comes from Europe. Il vient invité à cette fête. And is invited at the party. Tout le monde lui donne sa place. Everybody wanted to have the seat of honor. You welcome. You tire le piquant. Since when are you here? Si tu as beau serviteur de Dieu. Especially if you're a servant of God. Wow. They receive you with a lot of respect. Faut être sérieux. You need to be serious. Amen, amen. Amen. Parce que plus on te reçoit avec respect, because the more they receive you with respect, the more your fall. Amen, amen. Moi, je suis l'invité du Seigneur. I'm the guest of the Lord. Alors, nous arrivons au troisième point maintenant. We're reaching the third point. Je suis Dieu, invité dans une fête. You are invited. J'ai posé la question tout à l'heure. Vous savez quand vous avez dans une tête. When they invite si tous les Africains. Especially Africans. Les Africains se vêtissent bien. Africans dress well. Si tous les Africains. Especially Africans. Je me garde de certains pays. I'm not going to mention some countries. Ils sont connus. They are known. Ils sont connus. They are known. Ils s'endettent même pour acheter les habits de 20,000 euros. They even get just to buy 2,000 euros. C'est de 3,500. A jacket of 3,500 euros. Attendez-moi. Oh, even yourself. L'argent au-delà de ton salaire, même deux fois. Money above your salary, even twice. Mais dans cette fête, il faut qu'on me voit. But in that party, you want to be seen. Faut que je sois là, qu'on voit que je suis là. They must notice that et I'm here. Mes frères et sœurs, amis africains. Beloved African brothers. Do not waste money on clothing. Amen. Amen. Il y a des Africains qui cassent des millions pour acheter des habits. Some Africans spend millions on clothing. Tu peux avoir des habits vieux, du tenis cher. You may have le nom de certains couturiers. Expensive. Quand tu regardes, on dit you. But they look at you, they say this is a amen, amen. C'est vrai ou c'est faux? Amen. C'est vrai ou c'est faux? Is it true? Amen, amen. Tu es là. You get them manifesting like the pastor, like the archbishop, dancing like the archbishop. They will say, oh, he's not serious. C'est vrai ou c'est faux? Is it true or false? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Demande à papa de qui ça marche, il est là. Ask. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je connais papa qui s'appelle de qui ça marche. Qui s'appelait de qui ça marche. I know. Manifesting like the archbishop. On te dit, mais c'est un voyou. They say, oh, it's not serious. Tu achètes tes voitures, vêtues très chères, mais voyou. You dress very expensively, but you are not serious. C'est vrai ou c'est faux? Is it true or false? Amen. Is Pastor Emmanuel here? Il est en bas. It's amen, downstairs, amen. Amen. Il s'appelait le gouverneur de la ville. He used to be called the governor of the city. Dikanomonakin. Child of King. When you see him manifesting like the archbishop, you look at him. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on te met dans une fête, tu viens voir des amis appropriés. When they invite you to a feast, you must have a wedding garment. Le Seigneur t'a invité dans sa fête. A qui les amis appropriés? Demande à ton voisin, a qui les amis appropriés? Quel genre d'habit tu portes aujourd'hui? Alléluia! Bien mes frères et sœurs, on peut t'inviter dans une fête. Quelqu'un est là, Dieu veut dire, mais avec tristesse dans son cœur. Tout ce qu'il porte, c'est la tristesse. All he's wearing is sadness. Il est là, peut-être, mais tant que de danser. Il est bien vêtu, mais intérieur, c'est la tristesse. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. I came to speak to someone pour te dire, to tell him, parce que le Seigneur te dit, because the Lord is sending you, rejoice. Le Seigneur t'a invité en the Seigneur, Lord invited pour qu'en sortant Seigneur, so that when you leave, les gens en Seigneur, from this qui puissent se réjouir, you might rejoice de sa présence, of his presence, et de son œuvre à la croix de Golgotha, et qui puisse enlever la vie de la honte, qui puisse enlever la vie de la maladie, qui puisse enlever la vie de la tristesse, qui puisse enlever la vie de l'iniquité, la vie de péché, cet ami qui te couvre, cet ami qui empêche jamais de te toucher, cet ami qui bloque ta vie, that blocking your life.
t'enlever cette habit. He wants to remove et te faire porter la vie de gloire. Le vêtement de gloire. Et te dire, comme l'ange a dit, like the angel said, viens s'asseoir de ce côté-ci. Come and sit on this side. Parce que tu es un invité d'honneur. Because you are a guest of honor. Et tu as les habits appropriés. And you have the correct garments. Tu as les habits appropriés. You have the correct garments. Tu as le tenu vestimentaire. You have the right garments. Alléluia. Alléluia. Dis donc à moi, je vais porter les habits de gloire. Je vais porter les fêtes. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur qui nous conduit dans cette parole aujourd'hui dans Zacharie, le chapitre 3, peut-être que ce n'est pas la première fois que vous avez écouté me parler sur cette parole. Le Seigneur m'a dit de parler sur ça. The Lord led me to speak on it today. J'avais préparé notre message. I prepared another sermon. Il a dit aujourd'hui, the Lord said to je me, veux vêtir mon peuple. I want to clothe my people. Amen, amen. Amen, amen. Je veux venir vêtir mon peuple. I want to clothe my people. Bien, nous sommes tous en habit de Hadassah ici. I like we are all wearing Hadassah. Une bonne chose. A good thing. Une bonne chose. Very good thing. Amen, amen. Amen. C'est une bonne chose. It's a very good thing. Mais le Seigneur va plus loin que ça. But the Lord goes further than that. Toi qui n'as peut-être pas l'habit que nous avons. Maybe you don't have the Hadassah. Ne t'en fais pas. Don't worry. Ne t'en fais pas. Don't worry. Ne te sens pas mis à l'écart. Le plus important. The most important. C'est pas le Seigneur. It's not the Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a un dicton français qui dit ceci. There is a French saying. La clothing does not make a priest. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La vie ne fait pas les moines. Your clothing, the clothing doesn't make a priest. Les moines bien vêtus en noir et blanc. You can see a priest well dressed in black and white. Mutemani kundu. But he's got witchcraft in his heart. Mauvais cœur, très mauvais cœur. Very bad heart, wickedness. On peut avoir un être vêtu en habit de Hadassah. You can be dressed in a dance. On danse, on saute. Dancing and dancing. Mais la nuit, on vole. But at night you fly. La vie ne sert à rien. The clothing. Le Seigneur veut nous faire porter de ses, veut nous faire porter de ses propres habits. The Lord wants to dress us with his clothing. La vie de gloire. Et elle vit dans une autre vie. And remove all la honte. La vie de l'iniquité. Est-ce que tu m'entends? Amen, amen. Zacharie qui signifie Dieu se souvient. Zacharie means God remembers. Et ce matin encore pour le plus cet après-midi en ce jour. This morning and right now on this day. Oh, ce week-end. Dieu se souvient de chacun de nous. Remember each one of us. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se souvient de moi aujourd'hui. Say to your neighbor, the Lord remembered me today. Et le Seigneur l'amène dans l'esprit. And the Lord took him in spirit. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. I'd like to speak to someone. Vous savez, devant les hommes, on peut avoir un autre visage. In front of men, we may have a different face. Devant les hommes, on peut être une autre personnalité. In front of people, we might have. Et nous avons affaire à ce Dieu qui nous connaît. We are in front qui of connaît notre profondeur. He knows qui connaît nos secrets. He knows our qui connaît ce que les hommes ne connaissent pas. What men don't know. Amen, amen. Amen. Il y a certaines personnes où je ne peux pas dire ma vie. Je veux que ma vie soit connue. Le diable aime le secret. The devil loves secrets. Quand il y a des choses pour lesquelles tu dois dénoncer, renoncer à cela. There are things that you need to say openly. Tu peux pas dire ça, c'est ta vie privée. You say no, it's my private life. I want to keep it. Keep on sitting over it, you will see. Keep on sitting on it, it will produce snakes. They will bite you. J'ai pas la langue. Excusez-moi pour ceux qui n'ont pas compris la langue. Forgive me for amen, amen. Le diable te dira non, on ne peut pas dire que ça, ce sont les tes secrets. The devil will say, don't develop this, they are your secrets. Ça, ce sont les secrets de la famille. They are family secrets. Oh, il ne faut pas que tout le monde soit au courant. People shouldn't be aware. Et bien, il va s'asseoir sur ce secret de la famille pour tourmenter ta vie. He will sit over them to torment your life. Mais il y a parfois des choses et il va dire des choses qu'il faut dénoncer et renoncer. Things that you need to say in the open and renounce to et them. Et bénissons notre maman pour une grande prière dans laquelle nous a conduit cet après-midi. And we bless our mother for the strong prayer. Pour que nous puissions renoncer aux choses que nous avons faites, les choses que nous avons. Renounce prayers that things we have done. Ce sont ces choses que Satan s'assoit et tourmente nos vies. Mais toi et moi, nous avons ce privilège d'être amenés à Amsterdam ce week-end afin d'écouter la parole de Dieu. To hear the word of God. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'écouter
que Dieu a amené Zacharie. We heard that the Lord took Zacharie. Il le fit voir Josué, le souverain sacrificateur. He showed him Joshua the high priest. Debout devant l'ange de l'Éternel. Standing in front of the angel of God. Josué, le souverain sacrificateur. Joshua the high priest. Même aujourd'hui en Israël en 2017. Today even now in Israel on 2017. We might say this. Un souverain sacrificateur. A high priest. Ce n'était pas n'importe qui. It wasn't just anyone. C'est l'homme le plus spirituel. He was the most spiritual person. Amen, amen. En Israël, c'était l'homme le plus spirituel. In Israel, he was the most spiritual la seule person. Personne qui était habilité. The only person who was able à entrer dans le lieu très saint. To enter in the very holy sachant place. Sachant que le temple était divisé en trois parties. Knowing the temple was divided into le lieu saint. The holy place. Le lieu très saint. The le lieu saint. And the holy et place. Le lieu de parvis où tout le monde pouvait venir. And the surrounding where everyone le lieu saint était réservé aux prêtres. Holy place was reserved for priests. Aux sacrificateurs. The high priest. Le lieu très saint. The very holy qui place. Qui était au fond du temple. It was at the end il n'y avait qu'une seule personne qui entrait. Only one person was able to et il n'entrait pas tous les jours. And not every day would il n'entrait pas n'importe quand. Not anyhow. Il n'entrait pas n'importe comment. He didn't go anyhow. Il devrait bien se préparer. He needed to be ready avant d'y entrer. Before going in. Il n'entrait qu'une seule fois par an. Only once in a year would he go in. Une seule fois par an. Once a year il entrait dans ce lieu très saint. To go in that holy pour place. Donner l'offrande. To give offering. Pour donner le sang du pardon. To give the offering. C'est le jour qu'on appelle en Israël le Yom Kippour. The day called in Ezra, le jour du grand pardon. The day of c'est ce jour-là qu'il entraîne avec le sang pour demander pardon, le pardon de Dieu sur toute l'assemblée. Quand il entrait dans le lieu très saint, on l'attachait à un fil. They will tie him with a rope. On attachait son pied à un fil. Ce fil qui restait dans le lieu saint où le sacrificateur était. That rope will stay with the high priest. S'il ne ressortait pas, if it didn't come out, c'est qu'il a été tué dans la présence de Dieu. Which means he has been killed in the presence of God. Personne ne pouvait entrer pour aller le chercher. No one could go in to get him. Il fallait le tirer pour le sortir de là. They had to pull him out of there. Donc c'était la personnalité la plus spirituelle. It was the most spiritual person. Et Dieu dit à nos frères et sœurs. Beloved brother and sister. Même aujourd'hui en 2017. Even today 2017. Aujourd'hui 2017. On this day 2017. En Israël. In Israel. Le souverain sacrificateur. The high priest. Il y en a qu'un seulement. There is only one. Quand je voyage en Israël, Israel, quand j'étais au mythe de lamentation, once I was at the wall of lamentation, et là, je voyais beaucoup d'enfouement. Then I saw a lot of beaucoup de Juifs étaient là-bas. A lot of Jewish were there. Je pose la question, mais c'est quoi? I said, what happening? On me dit que le souverain sacrificateur va venir aujourd'hui. They said the high priest is coming today. Et bien bon, aujourd'hui, I said, today. Oui. Yes. Quand le type est venu, le monsieur est venu. When the man came. Il fallait voir. You should have seen. Je suis même derrière. Jesus even behind. Amen, amen. Amen. Oh, 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 oh. Et quand il se met debout pour bénir le peuple. As he stood to bless. Non, c'était comme si Adonai lui-même descendait. It was as if Adonai himself came down. Il ne travaille pas. He doesn't work. Il est payé et nourri. He's et paid. Qu'il est par le gouvernement israélien. Taken care by the Israeli government. Amen, amen. Amen. En 2017. 2017. Alléluia. Alléluia. Son travail, c'est prier pour le pays. His work is to pray for the country. Il n'a pas besoin de faire d'autres travail. He doesn't need to do anything else. Amen. Amen. En 2017. 2017. Mais au temps du prophète Zacharie. Time of prophet Zachariah. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. C'était l'homme le plus important. Was the most important person in Israel. Beloved. Et voici que Dieu va montrer à Zacharie. The Lord showed Zachariah. En Israël, il dit. He said. Il vit cet homme en défendu. Devant avec un ange de Dieu. He saw that person with the angel of God. Dans la Bible, vous verrez parfois, Dieu dit, on dit l'ange de l'Éternel, on dit l'Éternel. Sometimes they say angel of the Lord or the Lord. Parfois il y a le don, on interchange de cet âge. Sometimes the terms are interchanged. Parfois ça peut se dire l'ange de Dieu qui est, qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Sometimes they say the angel of God or the angel of the Lord. Parfois c'est l'Éternel qui parle. Sometimes they say the Lord is talking. L'ange ne peut donner que ce qui le réunit reçu la part de l'Éternel. Because the angel only gives what he receives from the Lord. Zacharie nous montre ceci, nous révèle ceci. Zacharie reveals us the story. Dieu l'a même pourvoi. The Lord took him. Il voit le souverain sacrificateur. He saw the high priest. Peut-être avec ses amis. Et ses habits, maybe, les sacrificateurs, maybe with high priest calling, avec tout le tralala et tous les décors, with all the decor on it. Il voit ça, il y avait l'ange de Dieu là, he said the angel of the Lord à gauche, on the left, ou devant ou derrière, front or back, mais à sa droite, but on his right, il y avait Satan. Satan was there. Satan qui était à debout à sa droite. Satan stood
stood on his right hand. Et ce village, l'Éternel dit à Satan. And the Lord told the devil. Qui se tenait là à la droite. Who stood on the right il ne se tenait pas pour jouer. He was not there to il se tenait pour l'accuser. He was there to accuse pour pointer du doigt. Point fingers. C'est quand sur les sacrificateurs. On the high priest. C'est quand sur the great man of God. Toi qui es là, tu n'es pas grand serviteur de Dieu. You are here, the mais moi, je ne vaux rien. Even me, I'm worthless. Là, j'étais en train de pointer du doigt. An angel was pointing fingers. Il pointait du doigt. Pointing fingers. À sa droite. On his right grâce hand. Grâce à Dieu, était loin. Mais Satan était là à sa droite en train de pointer les doigts. Pourquoi? Why? Parce que because Josué Joshua avait des habits sales. Had dirty clothes. N'avait pas des habits appropriés. He did not have the correct garment. Est-ce que quelqu'un m'entend? Can someone hear amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Can someone et puis nous allons voir and then we'll see que ces habits sales n'étaient pas seulement les habits qu'il portait, les habits sacerdotaux. It was clothes, the mais c'était l'iniquité. It was iniquity. Dans le Seigneur dit, and the Lord said, si tu écoutes mes commandements, if you hear my commands, et que tu fais ce que je demande, and you do what et bien je te donnerai une place d'honneur I'll give you a place of honor à ceux qui sont avec moi ici. For those who are with me, mes frères et sœurs, je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. I'd like to speak to someone. Je parle à quelqu'un qui vient amener un serment pendant ce week-end. This weekend. Donc c'est bon pour célébrer la victoire du Seigneur pour l'an 2017 et la gloire qui nous attend en 2018. Mais pour que le Seigneur te mette les habits de fête, pour que le Seigneur te bénisse les habits de gloire, pour que le Seigneur enlève sur ta vie les habits que tu as portés jusque-là. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, nous voyons qu'à la droite de Josué, à la place qu'elle serait sur sa droite, c'était Satan. Et la Bible nous dit, bien-aimés, la Bible nous dit, nous savons besoin que notre Dieu soit à notre droite. Frères et sœurs, frères et sœurs, si Dieu est à notre droite, veuillez noter, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de versets. Si Dieu est à notre if God is on our right hand. Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Le verset 8. Verse 18. La Bible dit ceci. The Bible says le psalmiste se dit. The psalmist says. Dieu à ma droite. Je ne chancelle pas. I shall not si le terrain est à ma droite. If the Lord is on je my suis right, stable dans ma vie. I'm stable in si Dieu est à ma droite. If Lord is on que right, ça vienne à gauche. Que ça vienne à droite. Right, que ça vienne devant ou derrière. Front, parce que Dieu est à ma droite. God is on my je right, suis stable right, dans ma vie. I'm stable in my life. Nous serons attaqués par les démons. Nous serons attaqués par les sorciers. Nous serons attaqués par la maladie. Mais si tu es à notre droite, même dans les temps difficiles, comme les psalmistes se disaient, quand je marche avant le long de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Où était ton bâton, merci. Parce que tu es à ma droite, même dans les temps difficiles. Trial. Je serai stable. I will remain stable. Alléluia. Amen. 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 Dieu à ma droite, bien-aimé. God on my right. Le psalmiste se dit. The psalmist says. Dans toujours dans Psaume chapitre 16. In Psalm 16. Il me donne de délices éternelles. He gives me eternal. Si Dieu est à ma droite, on me protège. When the Lord is on il my right, il me fait du bien. It does good. Il me fait du bien. It does good. L'Éternel est à ma droite. The Lord on your right. Le Psaume 121. Psalm 21. Il est mon homme à ma droite. He is my shade on my right. Il me protège. He protects à ma droite. My right. Il est cœur de corps. He is my bodyguard. Amen, amen. Amen. C'est vrai. It's true. Il peut être devant ou derrière gauche ou en bas. Front or below. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te mettre à ma droite. I don't need him to be or don't be here. Parce que mon Dieu est là. Because my God is here. Est-ce que quelqu'un m'entend? Can someone hear me? Il n'est pas, ce n'est pas nécessaire qu'il soit à mes côtés. It's not necessary that he's here. Il peut être à 10 mètres. He can be 10 meters away. 100 mètres. 100 meters away. 1 kilomètre. 1 kilomètre. Mais à ma droite quand même. But on the right. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu connais un homme de Dieu, soit un homme de Dieu. I know a so-called man of God. Un prophète. A prophet. Qui te dit tu ne peux pas être là à sa droite. He tells you can't be on his right parce side. Parce que Dieu est là, là because, tu peux pas occuper. Because God is there, you can't take that place. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. I don't have to see to believe.
Amen, amen. Je sais qu'il est à ma droite. Et quand il est à ma droite, cette ombre qui me couvre, l'éternel à ma droite, bien aimé, frères et sœurs. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 17, The Psalm 17. Le verset 7. Verse 7. L'Éternel à ma droite. The Lord on my right. Il me délivre de mes adversaires. He delivers me from my enemies. Alléluia. Amen. Psaume 17, le verset 7. Psalm 17. Parce qu'il est à ma droite. Because he's on my right. Quand mes adversaires m'attaquent. When my enemies attack. Celui qui me délivre. He delivers. Celui qui me délivre. He delivers. À ta droite, mon frère, ma soeur. Qui est à ta droite? Dans le psaume chapitre 18, le verset 36, l'Éternel me soutient. Quand il est à ma droite, il me soutient. Il me soutient dans le temps difficile. Si je suis sur le point de tomber, il me relève. Si je suis sur le point de trébucher, à ma droite, il me soutient. Dis à ton voisin, fais pour que Dieu soit à ta droite. Do all that the Lord will be on your right hand. Parle à quelqu'un. Speak to someone. Dis que fais tout pour que Dieu soit à ta droite. Do all possible to have God on your right hand. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, frères et sœurs. Toujours dans la parole de Dieu. Dans le psaume chapitre 44. In Psalm 44. Le psalmiste dit ceci. The psalmist says. L'Éternel à ma droite. The Lord on my right. Il me donne la victoire sur mes ennemis. Victory over my enemies. Toi qui combats, il y a toujours une échec. You will fight and always fail. Tu veux remporter la victoire. You want to have victory. Même dans ton sommeil. Even in your sleep. Pourquoi toi, dans ton sommeil? Why is it in your on sleep? On te poursuit, tu fuis. They follow you and you keep on running away. Et puis ensuite, tu commences à voler. Then you start flying away. Tu es devenu un oiseau. Are you a bird? Have you become a bird? Oh, I was flying. J'ai volé. Oh! Ngoki! Wizard! Oh, ce sont les sorciers qui volent la nuit! Because it's wizard who fly on my right! Parce qu'il y a ma droite! Because God is on our right! La Bible nous dit ceci! Il vient de mille, prennent pas à ma quitte! Dix mille à ma droite, 10 000 à ma droite! Malgré cela, je ne chancelle pas! Ils ne viendront pas être le chemin! Au nom de l'Éternel! Je les taille à pièce! Ils s'en vont par cette chemin! Hallelujah! Amen. Même dans mon sommeil, even in my sleep, I say, hey, vous êtes trompé d'adresse ou quoi? You came to the wrong address. Vous cherchez qui? Who are you searching? Parce que je sais que j'ai des gros bras à ma droite. Because I have a strong arm. J'ai quelqu'un avec des gros bras. I have someone who is. Not long ago, we were in Brussels. Alors, dans l'hôtel où on logeait, in the hotel where we were, il y avait un politicien congolais. There were a Congolese politician. Alors, il y a un gars qui me connaissait. There was a man who knew me. Qui m'a vu et on a commencé à parler. He saw me and we were speaking. Alors, le politicien s'intéressait à nous. The politician took notice alors, of us. Quand il s'avançait, j'ai vu qu'il était à l'aise. I saw that he was comfortable. Il y avait un colosse de 2 mètres. Quoi, il me dit, gars, monsieur, 2 mètres 5. Un colosse. There was a very huge person, about 2 meters. Donc, moi, je me dis, je pèse 110 kilos, il devait peser 150, je pense. I weigh 110, he must have been 150. Amen, je pèse 110 kilos. I weigh 150 kgs. Amen, amen. Amen. Les miens, je les demandais au Seigneur. Mine, I requested them from the Lord. Je demandais. Yes, I asked. Amen. Amen. J'ai vu mes photos, je ne pesais que 73 kilos, 73 kilos. I saw my picture, was only weighing 73 kgs. Après avoir vécu 25 ans en Europe. After 25 years in Europe. 73 kilos, 73 kgs. 73. 73 kgs. 73. Avec mon épouse, yeah. With my wife, I said, oh. Pastor me dit, ah, Dieu comme mon petit frère. Pastor used to say, you like my little brother. Comment? How? Lord, j'ai mangé des frites, I ate j'ai mangé des patates, chips, j'ai mangé des mayonnaise, j'ai mangé tout ce qu'on peut là. I ate everything to put on weight. Still 73. Bien-aimés frères et sœurs, beloved, je connais un cousin à moi. And know a cousin of mine. C'est un grand patron maintenant au Congo. He is an important boss in Congo. Il pèse entre 200 et 250 000 dollars. He weighs around 200 to 250,000 US dollars. Il pèse. He weighs. It's worth around $250,000 US dollars. But that young man, when he left Congo to come here, il est venu avec l'argent de vol. He stole money to come.
voudrais bien que vous m'écoutez. I want you to hear me. Il avait volé les bijoux de notre tante. He stole my auntie's jewelry. Il avait volé une grande quantité de bijoux. He stole a very big part. Et il a vendu les bijoux. Of jewelry that he sold. Il a eu beaucoup d'argent pour faire toutes les marches venir en Europe. With the money he managed to come to Europe. La tante qui était restée en Afrique. The auntie will remain in Africa. Lui qui a volé mes bijoux. He said he who stole my jewelry. Il ne sera que voleur. He will remain a thief. Il ne sera jamais. He will never succeed. Bien aimé frère et sœur. Beloved brother and sister. Jusqu'à ce que ce garçon se répande. Ce frère se répande. Brother repented. Il avait fait 15 ans en Europe. He was 15 years in Europe. 15 ans en Europe. 15 years in Europe. 15 ans en prison. 13 years in prison. Je ne parle même pas, il est entré 13 ans, puis il est resté en prison, il est sorti 2 ans. Non. I'm not saying he was 1 year in and 1 year out. 3 ans en Hollande. 3 years in Holland. 2 ans en Belgique. 2 years in Belgium. 3 ans en France. 3 years in. 2 ans en Suisse. 2 years in Switzerland. 1 année en Allemagne. 1 year in Holland. 2 ans en Belgique. Germany. 2 years in Belgium. Pendant 15 ans, il a fait 13 ans en prison. For 15 years, 13 in prison. Pourquoi? Why? Parce qu'il avait des choses qu'il avait volées, ces choses, et Satan était pour l'accuser. Because Satan was. Avec les paroles qui ont été prononcées. With words. Toi qui as volé, qui a mes choses volées, tu ne seras que prisonnier. You who stole, you will remain a prisoner. Et ces choses, Satan était là pour l'accuser. And Satan was. Et comme ce frère n'avait pas Jésus en lui, since he didn't have Jesus, n'avait pas renoncé à ces choses. He didn't renounce. Il n'était pas réconcilié avec le propriétaire du Seigneur. He did not reconcile with the owner. Mais Satan pouvait continuer le point de l'inouï. Satan couldn't continue fingering him. Tu as peut-être volé la fille d'autrui. Maybe you stole someone's daughter. Frère, même toi qui me suis là, on t'est à la radio. Brother, even you following me on the radio and TV. Tu as volé la femme d'autrui. You took someone's wife. Parce que tu es michéliste. Because you are European. Because you've got means. Il y a tout moyen. You have means. Eh bien, aujourd'hui, les choses ne fonctionnent pas. Today things are going wrong. Bien-aimé. Beloved. Hier, j'étais en train de méditer sur le fils prodigue. Yesterday I was meditating on the prodigal son. Je connais ce passage plusieurs fois. I know this scripture a lot. Une chose, le Seigneur m'a fait révéler. One thing the Lord revealed. Au début. At the beginning. C'était la fête, hein? It was. Il avait beaucoup d'amis. He had many friends. Au début, c'était la fête. It was tout le monde voulait l'avoir comme ami. Everyone wanted him as a friend. Mais il ne dit pas combien de temps cela a duré. The Bible doesn't say how long it lasted. C'est la fin. But the end. C'est la fin. It's the end. Peut-être il y a des gens qui m'ont fui. Maybe people. Qui ont dit qu'ils nous ont fui. Running away from us. Or running away from parce you today. Parce que tu as accepté, tu as embrassé le message de repentance. Because you embraced this message of repentance. Don't worry. T'en fais pas. Don't worry. Mais les prochaines terribles, nous savons bien. They say to them, la repentance. What is repentance? Don't worry, ne t'en fais pas. Don't worry. La fin d'une chose vaut mieux la fin d'une chose au commencement. The end of something is better than the beginning. Est-ce que quelqu'un m'entend? Can someone hear me? L'enfant prodigue au début, il était. The prodigal son at the beginning. Billet, non, billet. He was partying. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on appelle maintenant billet. Quel est le terme qui est utilisé? I don't know what's. Vive en vive. Party animal. It was party. Mais à la fin, c'est pas maintenant que le terme qui est utilisé. At the end, I don't know which film. À la fin, which term? Au début, c'était la vie. At the beginning, it was life. Mais à la fin, c'était manger avec le cochon. At the end, he was eating with pigs. Ce n'est même pas manger normalement. Not even eating normally. Il devrait lutter pour avoir la nourriture. He needed to fight with pigs to have food. They were fighting over food. Il devrait lutter ensemble. And he was fighting over food. Bien aimé. Beloved. Écoutez-moi. Listen to me carefully. Le garçon est arrivé au début, c'était bien. The man came at the beginning, it was 13 ans en prison. 13 years in prison. C'est au bout de 15e année en prison qu'il After 15 eu, years in prison. Il a écouté le message. He heard the message. Et il s'est repenti, s'est donné à Jésus-Christ. He repented, gave his life to Jesus Christ. Il a contacté la tante. He contacted the auntie. Pour lui dire tes bijoux qui t'étaient perdus ce matin. To say that I stole your jewelry. Je ne suis pas capable de vous la renverser aujourd'hui. I'm not able to pay you back today. Je vous demande pardon. I ask you to forgive me. La tante a pardonné. The auntie forgave. Il est sorti de la prison. He came out of prison. Cette fois-ci, les démons ne pouvaient plus le pointer du doigt. Demons could not finger him. Parce que deux mois plus tard, il a commencé à travailler pour distribuer les journaux. Because 2 years later, he was working distributing newspaper. He didn't have papers. En Belgique, à 5h du matin. 5 o'clock in Belgium. Les policiers l'arrêtent en train de distribuer les journaux. The policeman will stop him. Hey, donne tes papiers.
asking for his papers. Il a dit, je n'ai pas les papiers. He said, I don't have papers. Ils l'ont amené au bureau. They take him to the office. Mais monsieur, they said, but sir, j'ai vécu dans ce pays comme un voleur. You've lived here like a thief. Tout ce que je savais faire, c'était voler de ma All that I knew was to steal. Maintenant, je me suis converti. Now I'm converted. Je ne veux plus voler. I don't want Maintenant, to steal. Je travaille pour gagner de l'argent. Now I'm working to Pourquoi make money. Pourquoi j'étais en prison? Why do you want Pourquoi to put me in prison? Why is Le policier me regarde. Arresting me. The policeman looked at him. He said, I don't have papers. Et puis, il dit, pas. They said, go. Sors pas. Go out. Est-ce que quelqu'un m'entend? Can someone hear me? Est-ce que vous me suivez? Can someone follow pas me? Pas les bagages, rien. No paper. Il a dit, j'ai volé, j'étais un voleur. I was a thief. Look in your file. Oui, je suis, je I'm there, that's me. Mon travail, c'était un voleur. I was a thief. Now I stopped stealing. Je me suis converti. I'm converted. Je travaille pour avoir un peu de l'argent. I'm working to make some money. Why do you want to put me in prison? The policeman said you can go out. Go. Je dirai si on te voit qu'on t'arrête plus. We will tell them never to stop you again. Il a maintenant son papier de citoyen belge. Now he's got his citizenship in Belgium. Parce que l'ennemi ne pouvait plus le pointer du doigt. The devil could no more point fingers at him. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. I would like to speak to someone today. Quel genre de vêtements tu as? Which kind of clothing do you have? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être dans ta conscience. Maybe in your conscience. Des habits de déshonneur. The clothing of honor. Tu as été déshonoré, tu as été ridiculisé. You've been made ridicule, dishonored. Tu n'as vécu que, tu as été méprisé. Tu as vécu que du mépris. You've only lived with resentment. Je ne sais pas comment tu as grandi dans ta famille. I don't know how you grew up in your family. Peut-être que tu n'étais pas le plus riche dans ton quartier. C'est pas dans le milieu où tu as grandi. Maybe in your neighborhood. Tu n'as connu que du mépris. You only knew resentment. Ce mépris accompagne ta vie aujourd'hui. That resentment is leading your life today. Tu y es, tu sais que tu connais c'est le mépris, le déshonneur. Resentment. Tu marches là même si tu as des bons habits, mais dans ton cœur tu te sens que tu es déshonoré. In your heart you feel dishonored. Déshonoré peut-être par ton mari ou par ton époux. Dishonored maybe by your spouse. Déshonoré peut-être par tes enfants. Dishonored maybe by your children. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. I'm speaking to someone. Peut-être extérieurement tout le monde t'apprécie. Maybe externally people appreciate you. Tu es malheureux. But internally tu es souffrant. You are unhappy, you suffering. Couples qui sont au milieu de nous. I remember a couple in our midst. Couples qui ils m'ont dit ceci quand je les ai rencontrés. When I first met them, this is what they said. When they spoke to me. On était, je crois, en Finlande, je ne me trompe pas. That we could have been in Finland. En Finlande ou bien en Norvège. Maybe in Norway. Ils sont venus me voir à l'hôtel. They came to see me at the hotel. Papa Banza. They said, Papa Banza. Mais tout le monde, quand ils nous regardent, ils nous envient. People look at us and envy us. Tout le monde nous envie. People envy us. Nous sommes gays. Nous avons des bons enfants. Beautiful children. Stable. We are a stable Tout family. Le monde nous envie. People envy us. Mais la famille, yeah, but the wife said, oh, Pastor. Oh, I'm suffering. We are suffering. Mais vous, you. Oui, mais vous êtes bien. No, we're suffering. Nous we are suffering. Extérieurement. Externally. Tout le monde apprécie. People appreciate them. But internally. Dans la maison, dans la famille. In the house, dans les quatre coins. In the four corners. La famille la plus malheureuse. If there was the saddest family. Pas, children ne dormaient pas. Les maris ne dormaient pas. Tout ce qu'ils faisaient échouer. Everything was failing. Ils ne vivaient que le déshonneur. If they were living dishonor. Ils ne vivaient que la honte. They were living Mais shame. Tu portes que les habits de honte. Clothing of shame. Il y a certaines personnes. Some people. Quand tu as été violé. Maybe you've been raped. Quand tu étais petit. When you were small. Ou quand tu étais petit, quand tu étais enfant. Or when you were a child. Et les choses se sont passées. And things la happened. La seule chose qui te reste aujourd'hui. The only thing you have tu te sens. Tu te sens mal à l'aise. You feel uncomfortable. Même tu es déjà dans marié. Although you're married now. Mais l'image, le film du viol. But that movie, rape movie comes back. Tu te sens sale. You feel dirty. Tu te sens pas bien. You don't feel comfortable. Tu marches avec ces habits depuis You des work années. With those clothing for years. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. I would like to speak to someone today. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont violées ici. The Lord tells me many women have been raped here. Mais qui ne sont jamais allées au-delà de cela. That never went over that. Qui ne sont jamais allées au-delà that de cela. That went above it. Ils continuent à marcher avec la honte. They work with that shame. Même si elle joue dans le trait, elle a la honte. Even when she plays in her heart, she's got shame. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui. I would like to tell someone today. Moi qui vous parle ici, j'ai été violée. Me who's speaking to you today, I've been raped.
J'avais 9 ans. I was 9 years old. J'avais celui qui m'avait violé. Do you know who raped me? Ou celle qui m'avait violé. The woman who raped me. C'était une tante à moi. It was an auntie of mine. Est-ce que c'est écrit sur mon visage? Is it written over my forehead? Si je ne le dis pas, vous ne le saurez pas. If I don't tell you, you wouldn't know. Alors. So. Enlève la vie de honte aujourd'hui. Remove that garment of shame today. Ce qui est passé est passé. What is past dis ton passé, ce qui est passé est passé. What is former has passed. Hallelujah. Dis à quelqu'un avec conviction, ce qui est passé est passé. What has passed. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Hallelujah. Amen, amen. Remove the garment of shame. Et de porter les habits de gloire. Je le crois et je le confesse. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant toi maintenant. Je me repens devant toi. Devant ta face. Là où, Seigneur, j'avais sur moi les habits sales. Les habits inappropriés. Pour ce grand festin auquel tu m'appelles. Aujourd'hui, je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres. Je renonce au monde. Je renonce à la chair. Aujourd'hui, je renonce aux habits sales que j'ai portés. Les habits d'iniquité, les habits de péché, les habits de caractère, dans ma conscience ou dans la vie pratique, là où Seigneur, j'ai porté les habits sales qui avaient permis à l'ennemi de me prêter une voie, d'être à ma droite. Aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur. Je renonce à cela. Je renonce au péché. Sur toutes ses formes. Par le nom de Jésus-Christ. Je renonce à la malédiction familiale. Je renonce à la malédiction de ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je renonce à tout habillement, à tout vêtement qui permettait à l'ennemi de me prêter une voie, de me prêter une voie, de se tenir à ma droite et d'empêcher ta main de me toucher, de m'empêcher d'entrer dans ta gloire. Aujourd'hui, je renonce à toutes choses. Je renonce au secret. Au secret de la famille. Tous ces secrets que je garde à mon cœur. Sur lequel l'ennemi était assis. Pour me prêter une voix. Ce secret qui salissait, qui salissait mon vêtement. Je renonce à cela. En le nom de Jésus-Christ. Je renonce à la vie de la honte. Toi, la vie de la honte. L'esprit de honte. L'esprit de honte. Qui règne sur ma vie. M'empêcher de voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je renonce à toi. Toi, l'esprit d'abus. Parce que j'ai été abusé. Parce que j'ai été violé. J'ai été violenté. Tu as habillé ma vie. Aujourd'hui, je me débarrasse de toi. Je me débarrasse de ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui permettais à l'ennemi de me prêter une voix. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je me débarrasse de toi. Je me débarrasse de toi. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vêtements de conscience chargée. Conscience chargée des péchés que j'avais commis, des avortements, des choses mauvaises, de l'immoralité que j'avais commis dans le passé, par lesquelles
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vêtements d'échec. Vêtements d'humiliation. Toi qui as envahi ma vie. Toi qui as bloqué ma vie. Pour m'empêcher d'avancer. Pour m'empêcher d'être un autre donneur, un invité d'honneur pour le Seigneur à cause de ses échecs. Aujourd'hui, je me débarrasse de toi. Je me débarrasse de toi. Je me débarrasse de toi. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Faites-moi des maladies. Toi qui tourmentes mon corps. Toi qui tourmentes ma vie. Quelle que soit ton origine. Quelle que soit ton origine, que ce soit spirituel ou nigrodienne, toi qui tourmentes ma vie, toi qui sèmes les doutes dans mon cœur, à cause de ta présence, qui sèmes les crédulités, pour que je ne croie pas dans la parole de Dieu, ni dans les promesses de Dieu, pour l'esprit de confusion qui se manifeste. Aujourd'hui, je t'ordonne, quitte mon corps, je me débarrasse de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi, vêtement d'échec, échec dans le domaine spirituel, tu n'arrives jamais à grandir, ni à avancer, toi qui me retiens. M'empêchant de prier, m'empêchant de connaître la parole de Dieu, d'être ce que Dieu veut que je sois. Échec spirituel, échec physique, dans le monde, dans les affaires, dans les mariages, dans les projets, toi le vêtement d'échec qui avait envahi ma vie, qui avait couvert ma vie. M'empêchant de m'épanouir. Aujourd'hui, je renonce à toi. Je me débarrasse de toi. Par le nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Dieu. Au nom puissant de l'agneau. Vêtements sales. Vêtements d'iniquité. Vêtements de honte. Vêtements de honte. Qui avait envahi ma vie, qui avait envahi mon foyer, qui avait envahi ma famille. Nous marchons dans la honte, nous dormons dans la honte, nous nous réveillons avec la honte. Aujourd'hui, je me débarrasse de toi, je me débarrasse de toi. Fini la honte, fini la honte. Jésus, à la croix de Golgotha, il a porté ma honte. Il a été déshabillé, il a porté ma honte, pour que moi, je ne sois plus dans la honte. Vêtements d'humiliation, vêtements d'humiliation, toi qui avais envahi ma vie, pour que je ne fasse que humiliation sur humiliation. Aujourd'hui, Jésus, à la croix de Golgotha, le grand Dieu, le grand Seigneur, il a été humilié, par les hommes de rien, pour que moi, je sois élevé. Au nom de Jésus, vêtement d'humiliation, je me débarrasse de toi, je me débarrasse de toi. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai vomi les tiennes, j'ai vomi les tiennes, j'ai vomi les tiennes, j'ai vomi les tiennes, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi maintenant. Lève-toi, Seigneur. Tais-toi à ma droite. Viens te tenir à ma droite. Viens te tenir à ma droite. Viens te tenir à ma droite. Pour me secourir. Pour me guérir. Pour me sauver. Pour me délivrer. Viens, Seigneur. Viens te tenir à ma droite. Pour me consoler. Viens, Seigneur. Viens te tenir à ma droite. Pour me lever. Lève-moi, Seigneur.
Seigneur. Vêtis-moi, Seigneur. Des habits de gloire. Des habits de fête. Des habits de fête. Des habits de gloire. Des habits d'élévation. Au nom de Jésus. Prie maintenant, prie toi-même. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je te bénis. Et la vie de guérison et de malade. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Les élèves ministres recommandent de prier sans cesse, car c'est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Adassa, le cœur de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons des prières en ligne tous les jours. Les premiers cultes, c'est du lundi au samedi, de 4h30 à 6h du matin. Et les deuxièmes cultes, du lundi au vendredi, de 20h à 21h30. Les veillées de prières sont programmées chaque samedi, de 1h à 6h du matin. Les prières d'intercession, du lundi au vendredi, de 12h à 13h30. Et de 16h à 17h30. Et les cultes du dimanche, c'est de 9h à 12h. Vous habitez en Allemagne, faites le 0049 221 98 20 34 15. Votre appel part de la Belgique, faites le 0032 42 44 10 75. Vous nous appelez depuis les États-Unis, faites le 001 209 255 15. 1000. Vos appels partent dès la France. Faites les 0033 1 78 90 03 32. Depuis la Hollande, ce sera les 0031 635 205 040. Le code d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 50. Pour l'incarnation, les 11 11 52. Et pour les cultes dominicales, les 14 40 99. Pour toute information, allez sur www.mireilleadassa.org. Et pour nous appeler pour de plus amples informations, faites-le 0031 6 26 88 31 01. Pour apprendre à prier en ordre et longtemps, la bonne adresse, c'est chez Adassa, le cœur de Dieu. Avec l'archibishop Nathanaël Banza, et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Adassa Ministry, les cœurs de Dieu. Apprendre à prier en ordre et pour longtemps. Pibox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358. Achetez les décodeurs Pibox TV sur www.pibox.tv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100€ pour l'achat du décodeur et 12€ seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV.